Ah, tu fais quoi? Hein? L'enregistrement 2? D'accord. Oui. La prise de micro. Vas-y, tiens. Tu veux ma place, Zouzou? Je te laisse ma place volontiers. À volontiers. Et voilà, devant une ambiance de folie et 1 milliard de spectateurs sur le stream et surtout en live, une finale tellement passionnante que le premier rang de spectateurs est vide, juste vide. Et donc, GTO, non, ok, d'accord, c'est check bouton, GTO check bouton, voilà, exactement. Voilà, ce GTO Emery qui a intérêt à gagner, puisque pour la première fois de sa vie, il me sort en versus Ryu Ryu. Voilà, il confirme l'adage qui dit jamais un sans deux. Alors le ranking Windjammer, ça va être très certainement pour le prochain Hockey Fest. Donc dans 3-4 mois à peu près, on l'espère. Il faudra voter et surtout il faudra venir doser. Allez, c'est parti, Dave 35 qui fait le choix. Et oui, parce que voilà, bien vu, first attack. Voilà, par contre, la Chun-Li qui va doser. Et là, GTO Emery qui doit pas être fébrile. Voilà, qui zone à la boule. Attention, parce que la Chun-Li va essayer de remplir sa barre. Pour le moment, GTO Emery à quasi-égalité, mais la Chun-Li va avoir sa barre. Bien vu, il a esquivé la tentative de chop. Voilà, le saut vite, qu'est-ce que c'était que ça, n'importe quoi. Attention, oulala, ça a raté. Ça a raté la super. C'est chaud. Voilà, attention, attention. Davé, Davé, que va-t-il faire? Ah! Oui, bien vu. Yale, bien vu là, ce gros kick. Et le dragon, il a osé. Attention, c'est là un match gagnant. Alors là, alors certes, Dave fait le rigolo parce qu'il se dit, ouais, on est en grande finale. Au pire, ça fait reset de braquette, mais quand même, ça risque de donner la confiance aux adversaires. Mais quand même, pendant que je parle, c'est déjà moitié de barre pour le Ryu qui est compressé dans le coin. Et la chenille qui remplit sa barre de super au fur et à mesure. Attention, le prochain coup. Oui, bien vu là. Le décalage chopu. Et là, voilà, la chenille. La chenille, bien vu sur le whiff de balayette. Super. Chun-Li wins. Round 3, fight. Allez. Bien vu, voilà, bien vu, first attack. Oh là là, la relevé spinning, bim, voilà, du coup, spinning bim, tout à fait. Allez, la Chun-Li. Ah non, là, ce Tatsu qui se fait casser et la punition chope. Oh là là, mais c'était n'importe quoi. Et elle est réapparue devant pour choper 69, il lui a fait l'amour. Voilà. Et pendant ce temps-là, mon gars, c'est tellement chaud que Sam's 35 vient de commenter sur le chat, mon gars. Il y a des mecs qui se barrent chez eux pour commenter sur le stream. Voilà. Il y avait une vie à mener chez lui sur le stream. Voilà, t'es un mytho. Dixit Piranha Sama. Le paquet d'intervalle. Un ouais, pour Crodal. 1-0. Et là on joue pas Under Night in Birth. Je sais pas, hein. Je dis ça, je dis rien. Monsieur Stream Pro Risotto Show. Allez, pendant que je parle, voilà, Risotto qui essaie de me coquer. Bien vu, voilà, le Chromium qui est chaud cette fois-ci. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce que... Voilà. Non, dommage, il y avait mieux comme punition. Et du coup, Andrés qui se fait chop en plus. Sans la déchop plus. Voilà, bien vu la balayette, bien gardé. Ouais, la déchop. Ah ouais, monsieur. Attention, attention, le Kizemu. Le Kifestu. Ah, hey, hey, non. Pourquoi il n'a pas confirmé? Il pensait que ça serait gardé, il voulait faire un décalage. Ah, voilà, voilà. Attention, attention, on est match pointo pour la team Chromidav. Allez. Voilà, attention, voilà. Hey, bon, bien vu cette overhead. Mais par contre, bien vu first attack, bien vu Chromium qui a pas peur. Du coup, il a le round d'avance. Voilà, il bourre, il s'en fout.
Oh là là, c'est très dangereux pour Aldous. Qu'a-t-il se passer? Est-ce qu'il va faire pire que son compatriote? Est-ce qu'il va mourir sans prendre un seul round? Un seul round, c'est terminé. Oh, c'est terminé la boule. La boule. Oh là là. Et 2-0, terminé, merci. La finale la plus rapide de l'histoire. Et c'est Chromidav qui l'emporte. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ce setup. Et on va passer à Street Fighter 4.